Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va continuer du coup Tomb Raider, peut-être le finir parce qu'on n'est pas très très loin de la fin, enfin, je crois. Et je m'excuse par avance si jamais je dois m'arrêter ou quoi. Enfin, j'irai le plus vite possible si jamais je dois m'arrêter. Et j'ai un chiot depuis un jeune petit chiot. 2-3 mois depuis mercredi soir. Et du coup, des fois, malheureusement, faut que je m'occupe, faut que je prépare ces bêtises. Donc je m'excuse d'avance si jamais je dois m'absenter 5 minutes pendant ce stream. Je vais essayer que ça casse pas trop le rythme. Et voilà. Allez, bonne vidéo. Le tombeau doit se trouver dans les niveaux inférieurs. Oh, ça me dit quelque chose, ce truc. C'est là que je dois aller. Oh, non, il est bloqué. La bonne voie. Je dois juste trouver un moyen de faire descendre mon charge avec plus de force. J'ai pété la porte là. Écoutez, j'ai l'accès. Il faut absolument que je débloque ce qui reste. Non, non, ça c'était l'idée de merde. Je pensais que je pouvais grimper contre le mur, putain. Mais. Thank you.
dois trouver un moyen de dégager le passage. Je pense que j'ai compris. Commandement à agent de terrain. C'est beau, stop. Lui. Trinity mécontent de l'absence de progrès. Stop. Acquisition du phénomène étoile impérative. Stop. Envoi d'un nouvel agent pour assurer succès de la mission. Stop. Il faut absolument que je débloque ce qui reste. Encore trois de plus, et mon charge tombera. Allez, allez. Absolument que je débloque ce qui reste. Thank you.
Je me fais manger une cale. Ah, de toute façon, ici, il n'y a pas la fenêtre. Ok. Et de deux. Encore deux. Et le monte-charge sera dégagé. Non, putain! Comment on fait pour sauter en arrière? Dynastie Chu. Les décorations indiquent qu'il appartenait à la famille royale.
c'est ici. Des guerriers. Ils étaient dans le tombeau de la reine. Ils la protégeaient. Et ça, c'est toi. Tu étais une sorte de général? Tu t'es fait seppuku. Pourquoi? J'ai déshonoré ma reine. Le rituel a été corrompu. La prêtresse savait que seule la mort la sauverait et a donné sa vie. L'âme de la première et dernière reine est désormais prisonnière d'un corps sans vie. Sa rage provoque les tempêtes et ne s'arrêtera que lorsque son âme quittera cette terre. Mes gardes-tempêtes ont juré de la protéger. Ils devront continuer. Sans moi. Son âme reste prisonnière d'un corps sans vie. Voilà d'où viennent les tempêtes. Pour arrêter ça, il faut détruire le corps dans la chambre des rituels. Il faut que j'arrive à convaincre les autres. Thank you.
Ah. Ah. Non mais wow, j'ai le cul de padron. Finalement dans ce jeu là, hein, ils ont beau te donner des fusils d'assaut, fusils à pompe, pistolets, mais l'arc, ça fait toute la différence. Que j'y retourne. Tu es blessé. Merci. Cette fois, j'ai vraiment cru que c'était la fin. J'ai vu personne. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Whitman. Il a emmené Sam pendant l'attaque. Il va sûrement la ramener à Mathias.
C'est notre faute. Merde. Enfin, c'est ma faute. Alors on fait quoi? On peut prendre le bateau et chercher de l'aide. Eux aussi, ils y ont cru. Tu avais raison pour Whitman, mais... Mais tu as vu les tempêtes. Elles ciblent les bateaux qui s'approchent. Des scientifiques qui étaient là pendant la Seconde Guerre pensaient que les tempêtes étaient contrôlées depuis la chambre des rituels qui est près du monastère. Je n'ai pas toutes les réponses, mais l'enlèvement de Sam est lié à tout ça. Et si on essaye de partir sans comprendre pourquoi, on mourra tous. Comme les pilotes. Et comme Ross. Bon. Je sais pas ce qui se passe, mais... Elle a peut-être raison. On ne peut pas retourner à la forteresse. C'est du suicide. Ce n'est pas là qu'ils vont. Ils vont l'emmener à la chambre des rituels. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir se rapprocher. Écoute, je sais bien que tu veux retrouver ta fille. Je comprends, tu sais, mais le combat n'est pas fini. Je ne te demande pas de me croire, Reyes. Je veux que tu me fasses confiance. Ok. On va mettre ça à l'eau. Sur le bateau.
Bon, on va continuer l'histoire, parce que je voulais finir les mines. Mais... De toute façon, j'avais prévu de faire l'histoire version scénar, un ramassage, à part les tombeaux et les reliques sur la route. C'est pas non plus le but ultime de la vidéo. Il faut aussi que je vous laisse des surprises. Lara, qu'est-ce qu'on va chercher là-dedans ? Tu tiens vraiment à le savoir ? Non, mais dis-le quand même. Eh bien, l'âme de la Reine Solaire est restée prisonnière d'un corps sans vie. C'est sa colère qui est à l'origine des tempêtes. Si nous détruisons ce corps, les tempêtes cesseront. D'accord. Mais pourquoi Mathias veut ça ? J'en sais rien. Et c'est ce qui m'inquiète le plus. Écoute, je sais que ce plan doit paraître insensé. Ça, c'est sûr. Mais je crois qu'on n'est plus à ça près. Alors on y va. Non. Reyes et toi, vous surveillez l'entrée principale pendant que je recherche Sam. Tu comptes y aller seul ? Plus on sera nombreux, plus on aura de chances d'être repérés. En restant ici, vous allez pouvoir éliminer un maximum de ces salauds. Et je ne parle pas seulement des Solari. Il y aura autre chose. Des samouraïs, les gardes tempêtes. Bref, si ce n'est ni Sam, ni moi qui approche, vous tirez. Ma petite Kai, on se reverra. Ça, je te le promets. Tu peux compter sur nous, Lara. Je suis le docteur James Whitman. Je viens à vous en paix. Et je vous amène votre nouvelle reine. Votre reine. Votre... Yo-ho. Mon premier volateur. Thank you.
gardes Tempête. Ils protègent toujours leur reine après toutes ces années. Comment peuvent-ils être vivants après tout ce temps? Ouais, je me posais la même question, mais bon, après... Ah, je m'excuse pour le roulis, mais... Je regarde partout pour ramasser des trucs en même temps. Le général suggérait qu'une âme prisonnière d'un corps. Un corps.
Vite, Jonah! Ils approchent! Prends cette arme! Je prends ce côté! Amenez-vous, enfoiré! Attention! C'est à droite! Continue de tirer! Repousse-les! Thank you.
exploser les boulets. Oula! Oh non! On finit par me le taper le gros quand même. Espèce de samouraï géant. Oui. Oh, tiens. On va en parler.
D'accord. Ah, c'est dommage. Depuis un moment, je me disais, je viens de l'affronter à la fin. Mais... en fait, non. Chinoise à plusieurs milliers d'années. Aurait-il vécu sur cette île avant l'avènement du Yamatai? Pourquoi pas? Nous n'avions pas la moindre chance. Ils nous attendaient, ils étaient des centaines. Nous n'avons pas pu atteindre la chambre sacrée. Depuis le début, nous étions condamnés. Et maintenant, j'attends que mes ancêtres viennent me prendre. Je peux les entendre. Léonie tue mes frères, il les mange, il brûle leurs âmes. Tous est mort. Je suis le dernier. Pourquoi moi? Vais-je devenir l'un d'eux? Puissent mes ancêtres m'entendre. Pitié, prenez ma vie avant que Léonie ne revienne. Emmenez-moi dans l'autre monde. Laissez-moi mourir en paix. Fusil à pompe, c'est la vie. Des objets semblables sur le site de Bang Chiang en Thaïlande. Comment ont-ils pu arriver jusqu'ici? Je devais le faire. Lara ne m'a pas laissé le choix. S'il y avait eu la moindre chance qu'elle accepte de jouer le jeu, je lui aurais parlé de mon plan. Mais elle n'a pas le sens des affaires. Elle est trop gentille. Et cette découverte doit être la mienne. J'ai franchi le point de non-retour. C'est vraiment triste à dire, mais elle ne peut pas quitter cette île. Ni aucun d'eux. J'ignore quel sort il réserve à Sam. Mais cela... ne fait que rendre le scénario plus intéressant.
Je ne crois pas pouvoir faire entendre raison à Mathias et à ses Solari. Alors, je vais devoir leur fausser compagnie, dès que le rituel sera terminé. Je tiendrai le rôle de l'unique survivant du naufrage, dévasté par le chagrin. Et toutes les caméras seront sur moi. Un moyen de monter. C'est facile. Oui, mais alors... Et on fait redescendre le machin. Petit plouf. On est dessus, pardon. Ouais, je sais pas si vous l'avez entendu, mais effectivement, il y a mon petit chien qui s'est levé. Ah, on va finir ça.
Non, il a 3 mois. Forcément, il fait des bêtises. Mais bon. Je pense pas que je puisse faire un truc comme ça, mais il est un peu folle. Il y avait de l'idée. C'était coincé dans le sol, en fait, non? Le rituel au cours duquel la reine choisit celle qui lui succède. La prêtresse désignée entre dans le monastère. Elle s'empare de ton pouvoir et devient la nouvelle reine. Oh mon Dieu, mais alors? La plupart étaient prêtes à donner leur âme en échange de ce don. L'âme de la première et dernière reine est désormais prisonnière d'un corps sans vie. C'est donc ça. Ce n'est pas un transfert de pouvoir. Non, c'est bien un transfert d'âme. Toutes ces reines, elles étaient... toi et Miko. Première et dernière. Oh mon Dieu. Maintenant tu veux Sam. Je ne te laisserai pas faire. Réceptacle pour l'âme de la reine. Je dois mettre fin à cette folie. Je n'ai d'autre choix que d'affronter mon destin. Ce soir, je gravirai les marches qui mènent à la chambre du soleil. Mais je ne me soumettrai pas au rituel. Je ne serai pas reine. Personne ne me croira, bien que je connaisse la vérité. Un démon s'est emparé de la reine solaire. Un démon qui ne se contentera pas des terres du Yamatai. Il faut mettre fin à cette folie. Alors j'irai dans la chambre, armée de la dague que j'ai volée au général des gardes tempêtes. Le temps qu'ils comprennent ce que j'ai fait, il sera trop tard. Pour le bien du Yamatai, je dois mourir. En porcelaine Satsuma, probablement du début de l'ère Edo. Thank you.
crois peut-être que tu vaux mieux que moi, Lara. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour survivre. Combien de vies as-tu enlevées pour faire de même? Il n'y a pas de héros ici. Seulement des survivants. Himiko est dangereuse, Mathias. Elle est en colère, elle a soif de vengeance, et ses pouvoirs sont immenses. Une simple mortelle en échange d'une raid. Notre liberté vaut bien ce petit sacrifice, non? Ces enfoirés se dirigent vers toi. On a fait tout ce qu'on a pu pour les ralentir. Merci, Reyes. Allez au bateau. Si je ne reviens pas... On ne partira pas sans toi. On t'attendra. Thank you.
Ah putain! J'ai pas compris là. Fallait pas que j'aille par là. Un peu chiante la caméra. Un petit peu. On peut pas bouger la caméra. Il est con cet endroit. Putain, mais pourquoi elle se raccroche pas, bordel? Ça a marché tout à l'heure. Trop vite. Thank you.
Oula. Putain. Ça va pas le faire. Ah mais putain. C'est comme un alcoolique en plus, c'est n'importe quoi. Ah. Putain mais... Claque pas eux. Ah mais c'est pas possible ça. Pourquoi ils claquent pas les deux cons avec leur arc? Plus de balles, qui fait ça? Continue de courir, c'est mieux à faire. Ah putain! Et pas belle cette fin. Il va aller moins bien. Et tant mieux.
Non. Louf. Viens là. Sam. Viens là. Oh, Sam. Dieu merci. Salut, Flan. Lara. Où sommes-nous? Non. Je suis là. Tu ne crains plus rien. Ça va aller. Ouais. Tu iras bien. Tu m'as sauvée. J'en étais sûre. Je t'avais fait une promesse. On rentre à la maison. Louf, non. Non. C'est Lara! Elle est avec Sam! Elle a réussi. Je crois qu'elle va s'en sortir. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est fini. On peut partir maintenant. Allez, on fout le cours d'ici en vitesse. Viens là. J'ai été si aveugle, si naïve. Trop longtemps j'en ai voulu à mon père. J'ai douté de lui, comme les autres. Pourtant, c'est lui qui avait raison. J'aimerais tant pouvoir le lui dire. Je repense à tous ces mystères dans lesquels je ne voyais rien d'autre que des légendes. Mais la frontière qui sépare nos mythes de la réalité est obscure et fragile. Je dois trouver des réponses. J'ai besoin de comprendre. Besoin de quelque chose? Je sais pas ce qui s'est passé sur cette île, mais vu ses blessures et votre regard, je vais vous laisser tranquille. En tout cas, vous rentrez chez vous. Je ne rentre pas chez moi. Survivant est né. Oh. C'est marrant, hein, générique, avec des photos de l'équipe et tout. Bon bah, voilà, pour Tomb Raider 1. Donc bah, comme d'hab, hein, la vidéo sera postée tout de suite après, là, sur la chaîne YouTube. Celle-là, elle sortira le 16 ou le 17, je crois. Et voilà, et les autres de toute façon vont arriver là. Il y en a encore une à sortir je crois demain. Et puis celle-là sortira 3 jours plus tard, parce qu'il y a déjà des vidéos prévues après-demain et après-après-demain.
Mais voilà, bah, j'espère que ça vous a plu, Tomb Raider. Je les ai tous. Donc si vous aimez Tomb Raider et que vous voulez que j'en fasse d'autres, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je peux tous vous les streamer, hein, y a pas de souci. Il y en a pas mal que j'ai fini. À part le dernier que j'ai pas, que je viens d'avoir, mais je n'ai pas fini. Donc, bah si, oui, je l'ai acheté 15 jours avant que les offres d'Epic Games commencent. Donc, je savais pas qu'il arriverait à la fin. Donc, je l'ai acheté 13€. Mais bon, c'est dommage, j'aurais pu l'avoir gratuit. Mais bon, du coup, je les ai tous. Donc, si vous voulez qu'on fasse les autres, je ferai les autres, y a pas de souci. Et puis, bah, le dernier, je le connais pas. Donc, si vous voulez me voir en chier, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne Twitch, à la chaîne YouTube si vous voulez voir les rediffs. Voilà, n'oubliez pas de liker, de partager. Enfin, vous commencez à connaître le topo, je pense. Donc voilà. Allez, moi je vous dis une bonne soirée. À plus pour une prochaine vidéo.